Salut à tous! Alors aujourd'hui j'ai reçu un colis. Amazon! Si je l'ai reçu, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire et que j'ai mon amie Chloé, si tu passes par ici, qui voulait m'offrir quelque chose. Du coup, j'ai passé ma wishlist et voici ce que ça fait. Du coup, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Une dinguerie. Je vois 4 livres. Comme vous pouvez le voir, voilà. Donc, je certifie que cette fille est folle. Voilà. Alors, regardons le premier. Alors, c'est « Et si ?» Les réponses les plus scientifiques aux questions que vous ne vous êtes jamais posées de Flammarion. Donc, c'est par le il y a un webcomic, un blog sur internet, c'est xkcd.com. Donc c'est il dessine des petits bonhommes comme ça et il fait des webcomics sur comment, c'est un peu des comme Cyanide et Happiness, c'est un peu une satirique sur le monde actuel, sur certaines choses. Et donc il a mis un livre. À quelle altitude faut-il lâcher un steak pour qu'il arrive cuit au sol? Qu'adviendrait-il de notre planète si le soleil s'éteignait d'un coup? Et si tous les terriens sautaient en l'air et retombaient en même temps? Donc ça m'a l'air comique, vachement bien. À l'intérieur, vous avez des petits dessins. Oh, il est trop bien! À l'intérieur de ce livre comporte du texte, mais aussi des dessins. Il traite de questions de première importance, notamment si vous pouvez ou non sauter d'un avion en vol muni d'un simple ballon d'hélium et survivre. La réponse est oui. Et s'il est possible d'échapper à une tempête supersonique en se réfugiant en Finlande? La réponse est également oui. Mais bon Dieu, qui voudrait vivre comme une taupe à Helsinki? Voilà. Ah. Ensuite. Encore un gros livre. C'est vraiment une folle. Le charme discret de l'intestin, donc de Julia Anders. Donc tout sur l'organisme mal aimé, pareil, c'est un livre sur... c'est par Actes Sud. C'est un livre sur l'intestin, voilà. Sur bien digérer, sur... ça va parler donc de l'intestin. Elle est allemande, c'est ça, il me semble. C'est ça, elle est allemande. Oh non, 90, elle a mon âge en plus, c'est génial. Non, c'est là où tu dis, j'ai vraiment gâché ma vie. Et donc, ça va être sur l'intestin, bien digéré. Comment? Parce qu'il essaye de nous parler, mais on ne répond pas forcément comme il faut, on ne le traite pas comme il faut. Et du coup, ça va être comment bien le traiter, si j'ai bien compris. Et il a été... il est très joli, il y a des dessins aussi dedans. Faut croire que je suis fan de ça. Et donc, ça va être comment bien traiter son intestin. Donc, c'est génial, parce que moi, des fois, il me fait... Il me dit, je t'aime pas. Et c'est très très bien vendu en Allemagne. Et en plus, c'est une passionnée de gastro-entérologie. Parfait. Ah, je suis vraiment content. T'es trop forte. Ensuite. Alors, j'ai les factures. Un premier mot. Alors, donc le mot qui va avec celui-là, c'est car ta petite scientifique est bien loin de chez toi. Mais oui, reviens ici, Chloé. Celui qui va avec lui, c'est vive les intestins, et puis ça parle sûrement de caca et de prout, donc c'est un cadeau obligatoire pour ton anniversaire. Saleté. Ensuite, j'ai... Mais oui, j'ai... Bernard Werber, Bienvenue au paradis, c'est la dernière pièce qu'il a écrite, enfin qui est sortie en poche, et je le voulais mais je l'avais pas acheté encore, et tu vois, collection, trop bien.
enfin, le dernier, c'est une vraie folle. Mmh. Classique, Alice au Pays des Merveilles, parce qu'il faut, faut que je le lise et je l'ai encore jamais lu. Du coup, je l'avais mis sur ma wishlist et... T'es trop forte. Non mais... Voilà. Mmh. Je suis trop contente. Bah, merci Chloé, je t'adore. T'es trop cute. J'ai envie de pleurer maintenant. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo un peu farfelue. Hein. Passez de bonnes journées.